flûte enchantée, c'est un titre qui est pilier. C'est vraiment un des pivots fondamentaux de la culture humaine. Et donc, il s'agissait d'un défi, un pari. Mais le fait que la flûte enchantée est universellement connue, ça permet une certaine paradoxale liberté. Évidemment, il faut rester accroché aux thèmes fondamentaux de la flûte enchantée. Et moi, dans la mise en scène, c'est coupé en deux, donc on aura deux actes totalement différents, mais qui sont accrochés, en tout cas, peut-être d'une manière souterraine, au thème fondamental, qui est la division de l'individu et le besoin de devenir une personne. J'ai essayé de presque effacer la narration. Parce que justement, c'est déjà connu, tout le monde peut suivre en tout cas. Et regarder comme en transparence la structure, une des structures plus profondes. Ce n'est pas du tout une flûte enchantée orthodoxe, disons. Ce n'est pas illustratif.